Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un autre poème de Jacques Prévert intitulé La grasse matinée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va! Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi dans la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves. Poissons morts protégés par les boîtes. Boîtes protégées par les vitres. Vitres protégé par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardine à manger. Œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs. 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce texte de Jacques Prévert et à bientôt !